Coucou tout le monde! Je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le petit tour dans les merceries que j'adore et où je commande régulièrement. Et il y en a une dont je vous parle depuis le début de tous les podcasts et de la chaîne que j'adore énormément, c'est Lulu la Luciole. Alors, je viens de recevoir une grosse commande. Donc, comme régulièrement chez moi, les paquets sont ouverts, alors je suppose par la poste, hein, puisque c'est elle qui m'est l'eau. Donc bon, là c'est un tout petit trou, c'est peut-être pas ça d'ailleurs, mais je sais pas pour vous, souvent les colis que je reçois à la poste sont éventrés, et j'avoue que ça m'agace un peu. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la mercerie qui n'y peut rien. D'ailleurs, il y a d'autres possibilités de livraison. J'ai vu qu'ils proposaient Mondial Relais, enfin faut regarder sur leur site si vous êtes trop embêté comme moi. Je pense qu'en Mondial Relais ça peut être un peu mieux. Donc je vous ai attendu pour le déballer. Alors je connais le contenu de ce colis puisque c'est moi qui ai choisi les tissus. Je les ai tous payés, ce n'est pas un partenariat, j'ai juste envie de vous partager un coup de cœur. Allez, on déballe. Alors déjà, j'aime bien quand il y a un petit emballage soigné comme ça, qui fait un petit peu girly. J'ai presque l'impression de recevoir un cadeau, même si mon banquier ne confirmera pas. Donc déjà, c'est chouette parce que c'est toujours joliment emballé. Alors, le premier tissu. Alors, c'est un jersey. Des schtroumpfs, j'avais mais alors trop craqué sur ce design. Les couleurs, elles sont juste dingues. Franchement, c'est une tuerie ce tissu. Je suis trop fan. Je vais mesurer. Il n'y a pas de récapitulatif de commande, du coup, je mesure, je vous dis là. Et ensuite, dans la vidéo, j'insérerai la quantité que j'avais commandée pour voir si c'est juste ou pas. Donc là, j'ai 1m22. Donc je pense que j'avais dû commander 1m20. Je vous l'écris juste ici. En fait, je sais pas encore si je l'utilise pour mes enfants ou si je le garde pour moi. Je sais, c'est les schtroumpfs, mais j'assume. Je sais pas. Ça, c'est une caractéristique de chez Lulu la Luciole. C'est qu'en fait, elle fait des trop beaux tissus. Et du coup, mais ça part en moins de 2 coups. Donc, faut vraiment guetter. Perso, je suis abonnée à sa page Facebook qui est quand même pas mal alimentée. Et dans cette boutique-là, vous trouverez quasiment que des tissus designer créateurs. Donc de très jolis tissus. Il y a des jerseys à motifs, mais de dingue. Franchement magnifiques, des pépites, des choses qui viennent de tous horizons et pas forcément designées en France. Donc c'est des choses qu'on voit pas forcément partout. Donc ça déjà, j'aime beaucoup. Des marques que je n'avais jamais vues ni connues sans être abonnée à sa page Facebook et en les découvrant par son biais. Donc franchement, c'est une mine de pépites. Je vous le dis, attention, c'est addictif. Donc du coup, j'ai découvert plein de choses chez elle. Vous verrez, il y a beaucoup de référencements. Et pour avoir pris goût à ces jolis tissus, je me rends compte qu'en fait... À ma connaissance, il n'y a pas d'autres merceries avec autant de références en stock en termes de créateurs. Vous trouverez d'autres merceries, bien sûr, avec qui proposent peut-être des choses similaires, ça je dis pas le contraire. Mais pour avoir vraiment une vue globale et faire tout passer en une seule commande, ben franchement, je pense que c'est la meilleure mercerie à ce niveau-là. Sachant que la gérante, elle est mais juste adorable, accessible. Franchement, vous pouvez lui demander des choses. Par exemple, si vous cherchez quelque chose, elle, je sais qu'elle se coupe en quatre quand même pour trouver ce dont vous avez besoin. Enfin, je me dis quand même qu'elle a peut-être pas que ça à faire. Donc franchement, je la trouve super sympa. Donc la gérante s'appelle Marie et c'est aussi une couturière. Sur sa page, régulièrement, on voit des photos de sa petite poulette super bien habillée. Et ça, c'est trop chouette. Oh là là, je suis trop contente. En plus, je sais que le réassort, il a mis un certain temps à arriver à cause de tout ce qui était confinement. Donc, je suis vraiment trop contente. Donc, faut savoir aussi que la gérante, c'est quelqu'un qui a son compte. Hein. Quand vous commandez chez elle, vous n'engraissez pas une grosse enseigne. C'est une personne comme vous, comme nous, qui sûrement, avec la vente de ses tissus, peut-être payer des cours de, je sais pas, de gym à sa fille. N'importe quoi d'autre, enfin voilà, c'est quelqu'un de vraiment physique derrière, c'est pas un groupement de personnes, c'est voilà,
Qu'elle est une... Comment je pourrais trouver les mots justes? C'est une petite entrepreneuse. Donc ça, déjà, j'aime vraiment beaucoup aussi le concept. Quand je le peux, j'aime bien favoriser ce genre d'entreprise. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup le design des Schtroumpfs. Bah, du coup, j'ai craqué pour les deux. Ah, c'est trop trop chouette. J'adore. Donc, bah, pareil, hein, c'est toujours des couleurs qui sont vraiment très 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 jolies. Personnellement, j'ai jamais eu de problème avec ces tissus. C'est quelqu'un de très honnête, de très correct. Aucun souci. Alors, à savoir que Lulu la Luciole ne produit aucun tissu elle-même. Si vous voulez, c'est un revendeur qui centralise plusieurs créateurs, designers. Alors, celui-ci, j'ai 84 cm environ, hein. À savoir que la coupe, c'est toujours compliqué. Franchement, j'aimerais pas être à la place des mercières parce que ça doit être super compliqué, ouais, de couper bien droit. Et je sais qu'il y a des gens qui sont très très à cheval là-dessus. En même temps, quand on paye un tissu, bah, c'est un peu logique qu'on n'ait pas très envie d'en avoir moins que ce qu'on a payé. Mais bon. Oh là 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 là! Oh, j'adore le toucher du tissu, c'est super fluide. Alors ça, je crois que c'est une popeline, mais elle est tellement fluide qu'on dirait de la viscose en fait. Oh là là, franchement, c'est de la bombe. Pareil, les couleurs, elles sont juste folles. Oh, regardez-moi le tombé du tissu là, c'est trop chouette. Bah en fait, j'avais prévu ça pour Léa et pareil, j'ai un peu envie de le garder pour moi. Oh, c'est trop chouette, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ici, on a 1,49 m. Je remesure pour être sûre, hein, parce que c'est pas évident non plus, comme le tissu, il bouge, il glisse. Ouais, c'est ça. 1,49 m. Donc peut-être que j'avais commandé 1,50 m, je vous le dis ici. Après, faut savoir que moi, c'est quelque chose que je fais jamais. Hormis pour les vidéos pour vous, je mesure jamais les tissus que je reçois. C'est peut-être un tort d'ailleurs, parce que du coup, je me dis peut-être que je me suis déjà fait arnaquer. Je sais pas. Bon, bref, même si j'avais commandé 1,50 m pour 1 cm, voilà, c'est pas la fin du monde, je survivrai. Ensuite, encore... Oh là 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 là! Je sais pas si vous voyez ce qu'il y a là, à la caméra. Alors, encore un jersey. Ensuite, un jersey. Tout rayé. Et j'aimais bien, j'avais envie de faire quelque chose un peu esprit marinière. Donc j'aime beaucoup, en plus le marron comme ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup porter. J'aime beaucoup porter du bleu, du marron, le rouge, j'ai l'impression que ça me va bien. Mais je sais pas comment elles font les filles qui arrivent à définir par rapport à leur couleur de cheveux, leur phénotype, etc. Les couleurs qui leur vont bien au teint. Moi franchement je suis pas du tout douée, en fait je porte juste ce que j'aime. Mais bah c'est sûr que si ça met plus en valeur, je dis pas non quoi. Donc si vous avez des conseils là-dessus, je suis preneuse. Donc un joli jersey, bah pareil, hein, il n'y a rien à dire, hein, c'est impeccable, c'est exactement ce que j'avais vu sur la photo du site, aucun problème. Et ici, là j'ai 1,40 m, 1,41 m. Donc je pense que j'ai dû commander 1,40 m, pareil, je vous l'insère ici. Oh, franchement, je suis trop trop contente. J'ai l'impression que c'est Noël à chaque fois que je reçois un colis de tissu. Et là, et là, et là, et là. Je suis contente d'ouvrir ça avec vous parce qu'en général, quand j'ouvre ça et que mes enfants sont à côté, bah j'en vois pas la couleur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, mais j'ai une petite sucette, ça me rappelle trop 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 mon enfance. Du coup, comme Marie en avait glissé dans mes précédents colis, j'en ai carrément racheté un paquet. Je trouve ça trop bon, cette sucette au caramel, pire au gourmand, il n'y a rien d'extraordinaire en soi. Mais ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on voit partout, et du coup, bah, je kiffe. Ensuite, waouh, on a un joli badge, en plus il est gros. Donc un badge aimanté, ça c'est super chouette. Je me dis souvent que je devrais en faire, j'ai la machine à badge, et je devrais en faire pour décorer le frigo. Mais en fait, là, moi j'ai une forme un peu plus petite, et du coup, je sais pas. Je suis pas sûre que le rendu serait aussi joli que celui-ci. Ensuite, on a une sucette en cœur. Non, mais c'est pas trop trop mignon. Franchement, c'est trop chou, j'adore. Et là, c'est la tentation. Les échantillons que Marie met, c'est un piège. Ils donnent envie d'acheter les autres tissus. Alors là, je pense que ça doit être une petite viscose.
ici un petit coton, viscose, je sais pas. Pas toujours évident. On a peut-être plus viscose, je pense. Là, c'est du coton. Là, j'ai pas de doute. Un petit jersey. Un autre. Et un dernier. Celui-là, il est bien élastique, dis donc. Souvent, ma fille récupère les petits échantillons et s'amuse avec. Bon, bah, je vais lui laisser. Et le dernier tissu, ensuite. Pareil, j'aime bien les rayures, en fait. Je trouve ça très, très joli. Et Color La Vie a fait une magnifique... Roselyne dans ce tissu où bah, j'ai testé ce patron. J'avoue que j'y avais pas pensé en rayures et clairement je vais pas m'en cacher. J'ai carrément envie de la copier quoi. J'adore ces choix de tissu. Je crois qu'elle aussi elle craque beaucoup pour Lulu la Luciole et bah clairement en fait j'ai acheté ce tissu parce que j'ai envie de faire la même version pour ma choupette. Donc voilà. Alors ça j'aime bien parce que les rayures elles sont irrégulières et du coup je trouve ça cool. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, c'est pas forcément évident. Mais ce ne sont pas des rayures régulières, je trouve ça vraiment trop trop chouette. Alors ici, on a 1m10 tout fait. Oh, j'ai trop hâte de les coudre. Trop cool. Bah comme d'habitude, hein, franchement, je suis ravie de ma commande chez Lulu la Luciole. J'ai vraiment jamais de soucis avec, ça correspond toujours au visuel du site, donc ça c'est cool. Il y a des mises en ligne quand même qui sont régulières, plusieurs fois par semaine, donc ça aussi je trouve ça sympa. Il y a toujours du coup plein de nouveautés. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette jolie boutique? Donc vous trouvez pas mal de matières élastiques, mais vous trouvez aussi des cotons et un petit peu de mercerie. Pour cette boutique, on se trouve quand même sur une gamme assez haute de tissus. Donc voilà, les prix sont pas les prix d'un jersey classique, mais c'est pas possible d'avoir un tissu créateur au prix d'un jersey uni tout à fait classique. Donc ne soyez pas surpris. À côté de ça, franchement, tous les tissus que je reçois, ils sont d'une qualité juste dingue. Comme je vous disais tout à l'heure, les couleurs, elles sont juste magnifiques. Les tissus ne bougent pas. Franchement, j'ai pas eu du tout de soucis avec les lavages et relavages. Voilà, la preuve en est. Ce t-shirt, je l'ai déjà depuis un moment. J'avais trouvé le tissu donc chez Lulu. Et franchement, j'en suis juste dingue. Je le barre tout le temps et il ne bouge pas. Donc vraiment une qualité extra. Je recommande à 200% cette boutique. Comme je vous disais, c'est pas un partenariat. J'ai pas d'action, j'ai rien du tout. Juste, j'adore. Donc voilà, on arrive sur le site de Lulu la Luciole. Donc quand on descend, ce qui est chouette, c'est qu'on a toujours un aperçu des nouveautés. Des promotions. Dans l'onglet à propos, vous en découvrirez un peu plus sur la naissance de cette jolie boutique. Et ce qui est chouette ici, c'est que la plupart du temps, on peut prendre les tissus 10 cm par 10 cm. Il n'y a pas un minimum de coupe comme dans certaines boutiques où vous êtes obligé de commander 50 cm. Donc je vais vous faire une simulation pour savoir à partir de combien les frais de port sont offerts. Parce que j'ai pas trouvé l'info sur le site. Ah, donc il semblerait que ce soit à partir de 60 € d'achat. Voilà, bah j'espère que vous avez autant apprécié cette boutique que moi. Attention, c'est un lieu de perdition. Donc j'espère que vous aussi vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à me suivre et à vous abonner en cliquant en bas sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. N'hésitez pas surtout à me dire si vous avez des merceries que vous aimez beaucoup et pour lesquelles vous aimeriez que je vous donne un avis, que je vous fasse une revue. En attendant, je vous fais plein de bises créatives et je vous dis à bientôt. Salut! Thank you.